et clap your hands and everybody dance. Bonsoir GG. Bonsoir à tous. Bonsoir GG, ça va? Ouais. Bah, je suis pas très content des conneries qu'on fait sur mon dos. Bah, c'est quoi? Alors, je t'explique. Alors, je réexplique quand même pour tous ceux qui viendraient d'arriver. GG, donc, en direct de sa cabine de Suresnes. T'es même pas dans une cabine, là. T'es chez un copain, on m'a dit. Bah, je suis chez Henri. D'accord, ok. Donc, on a reçu un courrier de la direction de Énergie Côte d'Azur 06 à Nice, CEDEX. Il y a marqué, je me permets de vous écrire. Donc ça, c'est cher Max, c'est de la énergie. Hein. Je veux dire, je l'invente pas. C'est marqué. Hein, donc je l'invente pas. Merci. Ouais. Alors il y a marqué, je me permets de vous écrire car j'ai reçu il y a peu de temps un coup de fil de Gérard de Suresnes, puis un courrier de sa part. Vous trouverez la lettre et le CV qu'il m'a envoyé dans cette enveloppe. Je vous écris car je trouve ça je trouve que sa démarche est assez discutable et je pense que ce genre de pratique n'est pas très déontologique. Je ne discute pas ses qualités d'animateur ni son expérience professionnelle, mais plutôt sa façon de se vendre. Voilà, je tenais à vous informer des intentions de votre collaborateur et surtout de sa façon de procéder. J'espère que cette lettre, ma chère Malin. Donc voici la lettre que tu aurais soi-disant envoyée à Énergie Côte d'Azur. Moi, j'avoue que j'ai des doutes, mais en même temps, je reste quand même très sceptique. Je lis la lettre, ensuite j'attends tes commentaires, d'accord? Alors, à l'intention de monsieur le directeur général, monsieur le directeur, pardon, d'Énergie Côte d'Azur, donc monsieur Gérard de Suresnes. Monsieur, suite à notre conversation téléphonique de ce jour, veuillez trouver 6 juin le curriculum vitae. Vous pourrez constater que je possède une très grande expérience professionnelle dans le domaine de la radio. Je vous appelle car je postule, pardon, chez Énergie pour un poste d'assistant directeur général de la région Côte d'Azur, ainsi que pour votre poste animateur vedette sur le réseau national, ce qui est quand même assez gonflé. En ce qui concerne l'audience, je peux vous assurer une augmentation sensible des chiffres dès le début de ma présence sur votre antenne. En effet, de nombreux auditeurs de Fun Radio sont plus fans de Gérard de Fun Radio et ils me suivront sur Énergie. Dans une attente d'un prochain contact, je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations distinguées. Je rappelle donc qu'il y a une photo de toi, c'est la photo en plus que tu as envoyée du magazine XL, curriculum vitae, formation BEPC, CAP routier cibiste, BEP de poète, bac pro animateur radio, expérience professionnelle animateur vedette sur Fun Radio Shalom pendant 3 ans, formation de Max dit le Star System pendant 5 ans, 2 ans d'animation sur Fun Radio Réseau National, animation de Suresnes Club Discothèque, ambition de devenir PDG d'un réseau national ou ouvrir une école d'animateurs radio, bah tu penses bien Gérard. Attends, calme-toi, commence pas à t'énerver comme jeudi dernier. Et passion et hobby, la Formule 1, c'est vrai, le café, c'est vrai, la loco, c'est vrai, les camions, c'est vrai, et la CB, c'est vrai. Alors, la loco, c'est quoi ces conneries là? Alors déjà, je voudrais savoir, est-ce que c'est bel et bien toi qui as envoyé ce document? Bah ouais, mais Laisse-moi expliquer la situation, s'il te plaît. T'as picolé, toi, encore ce soir. Attends. Bon, alors, vas-y, explique-toi, vas-y, GG. Vas-y. Bah alors, attends, je t'explique. Vu que Benoît Cigard avait quitté ses fonctions de PDG. Ouais. Vu que tout le monde me disait, si tu continues à gueuler comme ça, tu feras plus de débat. Moi, je pensais que j'allais arrêter les débats. Attends, t'as vu un peu, c'est quand même inadmissible ce que tu as fait, quoi. Je veux dire, tu travailles pour Fun Radio depuis le temps et monsieur envoie de la candidature à Énergie. Non, mais je veux dire, demain, pourquoi pas Skyrock pendant que tu y es? Tant que t'es au bout du rouleau. J'ai déjà envoyé un courrier à Skyrock aussi. Tant que t'es au bout du rouleau, vas-y jusqu'au bout, mets-toi la corde au cou, quoi. T'as bien raison. Vous faites pas chier non plus, me gueuler dessus tout le temps. Ouais, mais attends, Gérard, je suis désolé. Attends, t'arrives à moitié. T'es pas emmerdé non plus, hein. Tu t'arrives à moitié pinté une fois sur deux, tu gueules tout le temps. Tu te plains. Tu vas te calmer. Nous, on attend des explications dans les locaux. Et je trouve dommage d'ailleurs que monsieur, dans des cas comme celui-ci, ne veuille pas se déplacer jusqu'à la radio. Il préfère rester dans sa cabine téléphonique bien au chaud chez des amis bien au chaud plutôt que de venir me voir et me le dire en face. Hein. Bien sûr, t'as un peu peur. Attends, j'ai peur. Bah ouais. Attends.
Ah ouais. C'est bon, je fais ce que je veux. Hein. D'accord, bah voilà, monsieur fait ce qu'il veut, comme d'habitude, il continue à faire son petit train-train quotidien. Pas pour un câble non plus. Non, hein. Mais on prend pas pour un câble, c'est toi qui nous prends pour des cons, ça s'appelle un torchon. Moi, je trouve inadmissible. Oui. Et ça, Françoise, à mon avis, doit l'écouter ce soir. Elle va mais de toute manière, Françoise, j'en ai rien à foutre. Oui, je sais que t'en as rien à foutre, mais à mon avis, elle aura encore un bon argument de coup de gueule demain pour aller gueuler et dire que c'est inadmissible qu'elle essaye de faire un coup de gueule. Qu'il y a un mec comme toi qui s'amuse à envoyer des CV sur des radios concurrentes. Hein? Ouais, que c'est bon. C'est le cas de le dire. Moi, on va pas aller jusqu'au terme du débat. Non, mais de toute manière, de toute façon, vous pouvez... Jean-Luc! Oh! Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Ouais, fais le malin. Il est un peu pinté, le GG, ce soir. Ouais, je suis pinté, j'ai bu deux cafés, alors. Et après, il me fait rire. Le GG me dit, oui, j'écoute plus la radio la semaine, de temps en temps, je vais chez des amis, tu parles. Il écoute la radio, et dès qu'on parle de lui, il réplique tout de suite. Hein. Ça, c'est pour amuser la galerie, t'es toujours numéro un, GG. Eh ben, écoute, je te donne peut-être rendez-vous à demain avec les coups de gueule de Françoise, on entendra probablement parler de toi une fois de plus. Bah ouais, mais Tanière, moi j'avais fait un poème quoi, mais c'est pour... Bah vas-y, balance ton poème, monsieur, parce qu'on va faire des poèmes, comme par hasard, Eh ben écoute, tu bouges pas, GG, on va faire ton petit poème d'ici quelques instants, et on aura également Tonio, 18 ans, de La Roche-sur-Yon, qui est une anecdote voilà, exactement, sur les cambriolages. Vive Françoise, Abba, Gérard, cherche pas à te refaire des amis, GG, t'es fait comme un rat, c'est ce qu'on nous dit sur le Minitel, et si vous voulez nous laisser des messages, c'est le 3615 code Fun TV, 1,29€ la minute. Voici George Winston, et ça mérite réflexion d'écouter que le mec son majeur fait sur moi, ça m'a grave ce métier d'accompli. Derrière, donc il y a un pote derrière toi ou quoi là? T'es chez Henri, non? T'es chez Henri? Oui, mais. Henri, ta gueule! Ouais, c'est ça, ouais, allez, GG. Ouais, c'est ça, allez, fais ton poème, GG, n'essaye pas de t'enfoncer, vas-y. Alors, j'ai léché des moules, en tongs et en short, mais j'ai chopé la crève. J'ai léché des moules en regardant la télévision, mais c'était la grève. Ah, il est particule, GG. Hein. J'ai léché des moules sur ma barque, mais elle a coulé. J'ai léché des moules dans ma voiture, mais la fourrière me l'a emballé. J'ai léché des moules avec mon couteau, mais on me l'a volé. Ouais. J'ai léché des moules à la loco, mais je me suis fait enfiler. J'ai léché des moules avec mon t-shirt Ricky Martin, mais les mythes l'ont bouffé. J'ai léché des moules dans ma cabine, mais les flics m'ont embarqué. J'ai laissé des moules avec du Ricard et j'étais déchiré. Oh là 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 là. C'est fini? Ouais, bah j'en ai un autre autrement. Oh oh ouais, pas mal, il se rachète quand même le GG. On sent qu'il a pas envie d'aller sur un ange maintenant. On va faire un autre sur les pommes. Alors, pas mal. Vas-y, alors, sur les pommes. Laisse-moi croquer ta pomme quand je vais au supermarché. Laisse-moi croquer ta pomme quand je regarde la télé. Ouais, c'est les mêmes qu'avant, ouais. Attends. Bah attends, c'est bon, alors vas-y, continue. Pas content, non mais vas-y, continue. C'est clair et net, je raccroche. Hein. Non mais c'est bon, vas-y. Laisse-moi croquer ta pomme quand j'écoute Fun Radio. Laisse-moi croquer ta pomme quand on regarde un film d'horreur. Laisse-moi croquer ta pomme quand je suis en sueur. Ouais. Laisse-moi croquer ta pomme quand je vais au bois. Laisse-moi croquer ta pomme quand tu dors avec moi. Ah ouais, quand même pas mal, hein. Ah ouais, pas mal. Et un petit dernier sur les bananes. Ouais. J'aimerais manger des bananes avec Hubert et Malher, mais ils ont été virés. J'aimerais manger des bananes avec Françoise, mais je suis avec Henri. J'aimerais manger des bananes avec Amédée, mais il ne fait que de se branler. Ouais. J'aimerais manger des bananes avec Caramel, il m'a dit j'aime pas les PD. Ouais. J'aimerais manger des bananes avec Christine, mais je l'ai dépouillé. J'aimerais manger des bananes avec le PSG, mais ils ont pris une branlée. Ah ouais, pas mal. J'aimerais pas manger mal. Des bananes avec Françoise, mais elle va m'engueuler. Ouais. J'aimerais manger des bananes avec Jean-Loup, mais il préfère tirer un coup. Philippe, c'est quand tu veux, hein. Quand tu regardes tes écrans, comme ça sera peut-être plus simple pour... D'accord, ok, bah c'est pas mal. Donc voilà, puis j'en avais un autre sur les camemberts, mais si on n'a pas le temps... On va faire ça dans un instant, alors ne bouge pas. Hein? On aura d'autres personnes qui vont te parler, à commencer par Miguel. Bonsoir Miguel. Bonsoir Max. Nous allons parler à GG dans un instant. Ouais. Le feu dans la boutique. Ouais, bonsoir Miguel. Bah,
Ouais, bonsoir. Max GG aurait déclaré à Gala qu'il est ton père et la vérité répond nous. Non, c'est pas mon père, hein, loin de là. Et on aura également Tonio dans quelques instants dans la radio libre de la nuit. Bonsoir Tonio. Bonsoir au grandissime staff. Vous appelez Furax, donc j'ai un petit doute. Est-ce que notre Gérard à nous, que nous avons sur l'antenne, est toujours là, Gérard? Oui. Bon, il y a soi-disant un vrai Gérard, le vrai Gérard, notre Gérard national. Qu'appellerait Furax en ce moment. C'est quoi encore ces conneries là? Ben, je sais que tu t'en plains et je veux plus savoir qui croit parce que t'as tellement la voix du vrai Gérard. Attends, Max, tu me connais bien. Bah oui, mais enfin quand même, je sais que tu te calmes beaucoup. Donc, notre Gérard à nous, peut-être l'imposteur, on ne sait pas. En tous les cas, il y a quelqu'un qui essaie de nous joindre. On a un numéro de téléphone et ça sonne occupé dans sa cabine. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est un canular. Mais s'il nous écoute, qu'il raccroche, on va essayer de le joindre. Donc Julie et Gaël vont faire ça et je te demande de ne pas bouger Gérard, d'accord? D'accord. Au même titre. La radio derrière, s'il vous plaît, à l'accueil. Merci. Allô? Oui, c'est fait. Allô? Allô? Ouais. Allô? Hey, ouais. Connard? Ouais. Hey, connard? Non, mais attends, pour l'instant, c'est pas toi qui as l'appareil, d'accord? C'est la tête. Attends, quand on t'appellera pot de chambre, tu sortiras le sous-lit, ok? Dans ce cas-là, quand tu mettras des cassettes, mon con, pour te faire imiter, tu le diras aussi. Ouais, et la main de ma soeur dans la queue d'Azouave. Oh là 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 là, moi j'ai des doutes, Miguel, je ne sais pas qui est le vrai, qui est le faux, là. Hein. Ouais, alors dans ce cas-là... Ouais, dans ce cas-là, tu la fermes. Ouais, déjà... Oh, attends, je la ferme, ok? Je sais pas qui est le vrai. Ah non, mais qui est le vrai, qui est le faux, Miguel? Miguel, attends, je ne sais plus qui est le vrai, qui est le faux. Ouais, je crois qu'ils en tiennent une bonne tous les deux. Ils en tiennent une bonne tous les deux, t'as raison, toi. Tout à l'heure, je vais descendre et je vais faire voir un mec si c'est moi qui fait le con, là. Ouais, c'est ça, les connards, ouais. T'as qu'à descendre. C'est pas toi, GG, qui ferait les deux voix en même temps? Non, pas du tout. Oh, attends, moi, je crois que c'est bon, moi. Bon, alors... On va pas prendre les gens pour les canards sauvages non plus, hein. NJ, tu reprends, je descends. D'accord, bon alors descends, j'ai cité le vrai. J'arrive. Voilà. Ouais, j'arrive. T'as qu'à descendre, connard. Voilà. Ouais, descends. Voilà. Donc, le vrai GG va normalement descendre. Attends, je suis encore dedans. Des conneries. Open ça, dedans. C'est encore des conneries de fil d'art, ça. Hein? Ça sera encore des conneries fil d'art, ça. Bon, on va voir. Attends. On va voir, Miguel, on va voir. Pour l'instant, il n'y a pas de GG. Il n'y a pas de GG. Ah, il y a le tatou qui sonne là, apparemment, encore là. Putain, mais s'il m'écoute, quand il va se fermer. Voilà, bon, Miguel, on attend pour l'instant. Il n'y a pas de GG, j'ai l'impression qu'il faisait les deux voix en même temps. Hein. Ouais. Donc, je voulais t'appeler depuis vendredi dernier, suite à la super prestation de Gérard. Ah De quoi? Moi qui joue au con. Alors, vas-y. Quoi? Ouais. Ah, ouais, d'accord, ok. Hé, Lascar. En fait. D'accord, je pensais que c'était le vrai, c'est la même voix. Allume ton micro, c'est la même voix, excuse-moi Miguel encore, mais là il y a le vrai GG de Suren qui est arrivé. Hé, Lascar. Ouais. Alors maintenant c'est moi qui joue au con? C'est moi? Ouais, c'est toi. Ah ouais. C'est bizarre. T'as fait la tête d'un con. T'as exactement la même voix. Non mais le mec avec les cassettes, il peut jouer. Hein. Mais c'est pas des cassettes puisqu'il te parle en direct, t'as raison. Avec les cassettes. Mais nous, les cassettes aussi. Gérard, comment veux-tu qu'il te réponde en direct si c'est une cassette? C'est qu'il est en direct. Mais je savais pas que t'étais bête comme ça. T'as eu des chromosomes. Comment tu veux que ça soit une cassette s'il parle? Pose une question. Attends. Gérard, si tu lui poses une question et qu'il te répond, c'est une cassette ou le mec qui parle en direct, à ton avis, Gérard? Une question que je vais te poser. Non, mais Gérard, avant qu'il te réponde, si tu lui poses une question et qu'il te répond tout de suite là, c'est quand même une cassette ou c'est un mec en direct? On va voir. Bon, alors vas-y. Quelle heure est à l'heure actuelle? Quelle heure est-il? Il est minuit 35. Bah voilà. Donc, à mon avis, mon pote, pour l'instant... De quoi? C'est pas une cassette, comment tu veux qu'il te réponde? Une cassette. Bon, tiens, comment tu veux qu'il te réponde? C'est une cassette, si c'est... Toi, tu crois que c'est une cassette? Il est bête. Non, mais ça fait... La dernière fois, c'était toi. Mais si. Il est pas bête, il est bourré. Vous avez la même voix. Ouais. Il est pas bête, il est bourré. Bon alors, t'es qui en fin de compte? Tu t'appelles Gérard aussi? Il habite en Ricard, là, le connard, là. Non, ça va. Le GG imposteur, là, tu t'appelles Gérard aussi? T'appelles d'où? De Suren. Ah bah voilà. Il y a deux Gérard de Suren, apparemment. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Il y a deux Gérard de Suren. Eh ben, maintenant, Attends, t'habites où, toi, le fameux... Oh, fais-toi pas droit, tu vas commencer à te calmer un petit peu. Parce que tu commences à me casser les bonbons. Non, ok. Ce qui craint, c'est que maintenant, on risque de se tromper. Quand on va avoir deux Gérard à l'antenne, on risque de plus savoir qui est le vrai et qui est le faux à chaque fois. Non, mais attends, déjà, demande à celui que, soi-disant, qui habite à Suren, qui me donne, exactement le numéro de la cabine téléphone. Ah, bah, non, il va pas donner à l'antenne.
l'antenne non plus. Hein. Bah non, est-ce que tu donnes ta numéro de cabine, Gérard, toi, la tienne en direct? Non. Bah alors pourquoi il donnerait la sienne? Attends, t'as parce que moi, quand bah, j'ai moi, t'as pas le droit de donner des numéros en direct, tu le sais très bien, Gérard. Par contre, je peux peut-être donner mon numéro de tatou. Vas-y. Vas-y. Ah bah non, je vais pas te donner à l'antenne. Ah, il a bien raison, il faut pas le donner. Faut pas le donner. Non. Je vais pas le donner à l'antenne pour que Fesse de Bavoin continue à m'emmerder. Ouais, c'est ça. Bon, alors mon pote, ça, je vais dire une chose. Ça, ouais. De toute manière, tu t'appelles pas Gérard, d'accord? De toute manière, moi je t'emmerde. Eh ben moi aussi. Déjà d'une. Mmh. Ouais, et de toute manière, si. Et de moi, deux, tu régleras tes comptes avec Henri quand tu le verras, d'accord? Ouais, ouais, bah c'est toi. Parce que ça lui a pas fait plaisir. C'est toi le connard qui te fera enculer à la loco à ma place. Non, ouais. Non mais attends, parce que hein, j'étais à la loco vendredi. Ouais, c'est toi le connard qui s'amuse à te faire enculer, puis on prend des photos, on dit que c'est moi, après. Ouais, mais attends, qu'on m'emmerde sur le tatou. Ouais, et, c'est ça, espèce de petit con. Whisky, connard. Ouais, bah bouffe ta bouteille de Ricard, toi, espèce d'enculé. Ah non, comment? Mais pourquoi tu dis? Dans ces cas-là, tu diras pas connard, tu ressors. Ta gueule toi-même. Elle va te faire sauter. Ah non, Gérard, c'est terminé. Donc apparemment, le vrai Gérard. Jean-Loup? Le vrai Gérard de Suède a dû encore un petit peu picoler ce soir, parce que, bah alors, va te faire sauter tout ça. En tout cas, ton agressivité montre que tu es du bois. Ton agressivité, d'accord? Je l'entends depuis 22h30. Pas de grossièreté. Oui, mais depuis 22h30. 23h et 23h15, il a appelé. Eh ben, moi, 23h15, ça a appelé la cabine. Donc, alors, je vais te dire une chose, que c'est faux, parce que j'étais en train de regarder un reportage sur TF1, tu vois, pour pas citer la chaîne. Histoire naturelle, il est regardé. Oui, c'est ça. J'étais en train de regarder le reportage sur les homosexuels, tu vois. Très bien. Pour voir ce qui... Alors, je vais dire une chose, qu'il y a même, une auditrice, elle s'appelle Estelle. Ils t'ont filmé? Non, il y a même une auditrice. Il y a même une auditrice qui s'appelle Estelle, elle devait me rappeler, et elle l'a regardée en même temps que moi. Et moi, je l'ai regardée. Oui, ben je sais. C'est pour ça, que j'ai appelé. Oui, c'est pour ça. Je crois que c'était histoire naturelle, Gérard rencontre. Oui. Mais alors, dans ce cas-là, t'as quelle signature? C'est la signature du patron. Ouais, mais est-ce que t'as ma signature réelle? Non. Ah non. C'est attends. Par contre, il y a un CV avec ta photo. Hé, connard? Allô? Voilà, ça, c'est le CV que t'as envoyé à NRG avec ta photo en plus du magazine. Ah ouais, bah c'est bien parce que. C'est bien, c'est toi. C'est bon. Donc apparemment. Non, mais c'est bien. Parce que tu t'amuses aussi à envoyer du courrier à NRG. Oui, c'est ça. Avec quelle adresse? Hé, connard? Bah avec ton adresse. Oh, tu restes poli, lui, parce que t'es... Hey, connard, j'ai le numéro de tatou, là. Ben vas-y, abruti, donne-le. 06 57 82 21 80. C'est ton numéro, ça. T'es content? Allez, hop. T'es content? C'est quoi? Bon alors, tu te demandais bien de il sort d'où, celui-là? C'est toi qui l'as sélectionné. T'as que de la gueule. T'sais, moi, je dis, on me dit, Attends, il a la même voix que toi, on se trompe. Va voir si maman a fait les carottes. Ouais, bah ça va. Oh, alors, on se pose une question. Quoi? On se pose une question. Ouais, il a mis un masque, tu respectes les parents, d'accord? De quoi? Sinon, ton père vient se faire enculer dans votre boulogne. Ouais, ta soeur, t'as pour ça la baiser? Ah, c'est bon, on arrête là parce que là vous devenez vulgaire et ça sert à rien. On n'a pas besoin d'être vulgaire pour être. On n'a pas besoin d'être aussi vulgaire. Vous avez mon poème. Oui, faites un concours de poèmes. Non, on va faire un truc, on va mettre un disque et après il va y avoir un règlement de compte à OK Corral. Miguel, donc je pense que tu voulais laisser partir GG à NRJ. Ouais, en fait non, moi je pensais qu'il allait postuler plutôt à RTL parce que c'est plutôt sa radio de prédilection, quoi. C'est que tu me fires, que tu vires le faux. Il est là, GG, t'es là, le faux GG, il est toujours là, le faux GG. Attends, que tu vires le faux, bah dans ces cas-là, tu dégages aussi. C'est simple, c'est clair et net, ça va aller vite. Allez hop. Non mais attends, déjà pour l'instant, t'es en train de t'amuser sur mon dos. Je suis en train de m'amuser sur ton dos. Donc t'es même... Et c'est peut-être pas toi le con qui s'est fait enculer dans les toilettes non plus, hein? Non mais attends, là je vais dire... C'est comme les brosses de Romain. Ferme un peu s'il te plaît. Ta gueule. D'accord. C'est bien avec le bruit derrière. Hein. De quoi? C'est bien, t'as du monde derrière toi. Bah ouais, il y a Henri et Myriam. Ouais, c'est ça, Henri et Myriam, c'est ça. Tiens. Bah ouais. C'est ça, Henri et Myriam. Ouais, comme par hasard. C'est ça. Ils n'ont plus que Stéphanie et Caroline et Christelle et puis Christelle, bien sûr. Tu crois que je vais te prendre Framboise, je t'aime.
Ah, ouais, bah voyons. Bien sûr. Bon, tu bouges pas, on va voir si on te reprendra dans un instant. On va discuter tout ça avec GG. Si vous voulez nous appeler, c'est la radio libre de la nuit. 0870 5000 et 0803 08 5000. Il est possible que dans la nuit également, on fasse un petit débat sur la presse que nous avons eue. Je vous lirai. C'est un article. C'est pas sûr qu'on le fasse, hein, sinon on le fera demain. Faut que je le récupère, faut que je le repère. Voilà. Et pour les Belges, 0331 47 99 5000. Oula, t'es un peu picolé quand même. Dans... Non, non. D'accord. Bon, de toute manière, on les parlera d'énergie, on parlera également de... Non, non, mais ça, c'est bon, t'en as assez parlé, j'en parle pas de ça, déjà. Ah, apparemment, il est gêné qu'on en parle, parce que... Non, déjà, ça, pour moi, non, c'est pas que c'est la vérité vraie, déjà, c'est faux. C'est la vérité faux. C'est la vérité faux. Donc, j'ai jamais été signé ça, donc quand il y aura ma signature, on verra. On verra. D'inversion de cerveau. Non, mais de manière, lui, il n'en a pas de cerveau. Bon. Et toi, t'en as un ? Bah oui. C'est pour ça que tu donnes un numéro de tatou alors que c'est vraiment le mien. Tu m'as dit ouais, tu ben, donné ? Oui. Bah alors ? T'es content ? Bah ouais, je suis content. Ben, dans ce cas-là, je vais te dire une chose, que le jour où tu t'amuseras à envoyer un courrier, essaye d'éviter d'imiter ma signature. Comme ça, essaye d'éviter ma signature, d'accord ? Exactement. D'accord, parce que moi, sur la signature, je pourrais reconnaître parce que je sais ce que je signe à l'heure actuelle. D'accord ? Parce que là, le mec. Ma gueule, Bon, bah écoute, donc le Gérard de Surel, le deuxième du nom, on va te laisser. À mon avis, tu seras amené à nous rappeler. J'espère qu'on sera pas piégé et qu'on. Ouais, mais j'avais un petit poème. Alors vas-y, le petit poème pour conclure. Bah alors, comme j'avais dit la dernière fois, le poème est sur les camemberts. D'accord. Alors, j'ai mangé du camembert avec de l'Adidas, mais je me suis intoxiqué. J'ai mangé du camembert avec de la glace, mais elle a fondu. En tout cas, ça fait du bien d'entendre des poèmes grâce à lui. J'ai mangé du camembert avec du sel, mais le malheur est arrivé. J'ai mangé du camembert avec du poivre, mais ça m'a fait éternuer. J'ai mangé du camembert avec du pétrole, mais ça a flambé. J'ai mangé du camembert avec mon vélo, mais je me suis éclaté. J'ai mangé du camembert avec du courant, mais j'ai tout fait cramer. J'ai mangé du camembert avec une mouche, mais c'était une mouche tritsée. J'ai mangé du camembert dans mon assiette, mais tu l'as lavé. Et j'ai mangé du camembert dans l'eau, mais je me suis noyé. Bravo! Oh, pas mal, sans déconner, déjà. Alors après, l'autre, il est même pas capable d'en improviser un tout de suite, là. Ce qui fait plaisir quand même, c'est que grâce à toi, le faux, même si t'es le faux, appelle-nous de temps en temps, parce que ça fait plaisir déjà d'avoir des vrais poètes enfin, parce qu'on pensait qu'il y avait que Gérard qui était capable de faire des trucs comme ça, sur un style, sur un hit, par exemple, le camembert, il fait un poème. Je vois que déjà, on pensait que tu étais le seul, Gérard, à pouvoir le faire. Enfin, tout le monde peut le faire, donc on vient de se comprendre enfin de la supercherie de Gérard. Eh ben écoute, notre Gérard à nous n'en fait quasiment plus quand il est fait toujours les mêmes. Moi, je te propose au pire des cas, mais je pense que tout le monde sera d'accord. Julie n'est plus là, mais Gaël ou Philippe est d'accord. Peut-être que moi, dans la semaine, puisque Gérard ne fait plus de poèmes et se contente de venir avec un débat sur deux qu'il a préparé. Pour éventuellement dans la semaine, puisque tu veux pas en faire Gérard en plus, donc ça tombe plutôt bien. On fera d'une pierre deux coups. On aura notre Gérard pour les débats et notre Gérard de Surel le deuxième. Bah dans ce cas-là, pourquoi tu le prends pas pour tes débats comme ça, tu te démerdes. Bah, au début, quand non, tu mais attends. C'est un imposteur qui s'est passé pour moi, d'accord ? D'accord. Mais je suis d'accord. Alors, dans ce cas-là, si tu veux jouer comme ça, non. On le dit carrément ce soir. Jeudi, tu le prends, il faut que tes débats. Non. Bah ouais. Mais attends, alors, t'as pas compris. Non, c'est un imposteur. Je suis d'accord. Ah, et moi, les imposteurs, ça fait deux fois que ça se passe dans la semaine. C'est vrai. Je suis dans la semaine, tu la fermes aussi, ok ? Attends, je te demande, Gérard... Pour l'instant, c'est pas débat, donc tu la fermes. Non, attends, le Gérard de la cabine, deux secondes. Hmm, je vais juste à dire à Gérard qui est en face de moi, donc le vrai Gérard, que je disais pas qu'il allait faire les débats à ta place, mais vu de là que tu, à la base, quand t'es devenu un auditeur de Fun Radio et que t'appelais dans ta cabine à l'époque, je sais pas si tu t'en souviens, donc tu connais de Christine et tout ça, t'as pas pour faire des poèmes, et qu'aujourd'hui, tu n'en fais plus que ce que les gens aiment, c'est ça. C'est pas tes débats, c'est tes poèmes. Les gens, les débats, ça marche d'ailleurs, on a eu les sondages, ça marche déjà beaucoup moins bien qu'avant. Donc déjà, je tenais à te le dire en direct, on a plus 15 millions d'auditeurs comme avant.
avant, et que le problème c'est qu'au lieu de nous aider, et plutôt que de refaire des poèmes et de revenir dans le bon esprit, tu deviens un de plus en plus vulgaire, un deux de moins en moins écouté, il n'y a plus de filles qui appellent, et que heureusement qu'on a Gérard là qui nous fait des poèmes comme à la bonne époque. Donc puisque tu veux toujours pas en faire, que ça te prend du temps dans ta journée, parce que je sais que t'es débordé, que tu travailles et que tu cherches du boulot et que t'as autre chose à faire, bah comme ça t'évitera de perdre. Dans ce cas-là, tu prends l'imposteur, comme ça je serai tranquille. Mais non. Bah si, mais dans ce cas-là, pourquoi pas. Bah voilà, non, tu vois, prends la même voix que moi. Je suis d'accord. Alors ça, non, il ne vient pas me dire. Je suis d'accord. Viens me dire. Oh, la ferme, attends, le mec. Ouais, pour l'instant, t'habites pas sur Rennes, d'accord, toi. Ouais, j'habite pas sur Rennes. Bah tiens, bah, tu vas voir demain, toi, si j'habite pas sur Rennes. Ouais. T'habites où à sur Rennes? Bah attends, je vais pas donner mon nom. Tu connais Jean Massé? Tu connais Jean Massé? De quoi? Tu connais l'école Jean Massé? Ouais. Comme par hasard. Comme par hasard. Et t'appelles du côté de l'avenue Georges Pompidou. Hein? Non. Alors t'es pas le bon sieur. T'es pas celui qui a l'habitude. C'est ça. Arrête le ricard un peu là. C'est bon. Hein? C'est un faux. De quoi? Attends. Là, on est en train de vivre, on ne s'en rend pas compte. Non, sans déconner. À 1h01 du matin sur Fun Radio, on est en train de se rendre compte. Vous vous rendez pas compte d'un moment de radio extraordinaire. C'est que ce soir, notre vrai, soi-disant Gérard de Suresnes, qui serait en face de moi, vient d'avoir un doute, est en train de piéger celui qui, soi-disant, se fait passer pour le vrai Gérard et qui serait le faux. Et donc, on ne se rend pas compte à quel point notre Gérard est intelligent. C'est que le vrai Gérard est en train de tester le soi-disant vrai qui, en fin de compte, serait peut-être un faux. Et là, on ne se rend pas compte, mais là, franchement, c'est un grand moment de radio parce que l'intelligence du vrai Gérard. Et Myriam, tu la connais d'où? De quoi? Myriam, tu la connais d'où? Tu la connais d'où, Myriam? C'est-à-dire que le vrai Gérard est en train de douter que ça serait éventuellement le vrai Gérard. Donc il est obligé d'essayer de vérifier que celui qui est au bout du fil, c'est le faux. Hein. Tu connais Myriam d'où? Tu connais Myriam d'où? De Suresnes, abruti. Ouais, où? De Suresnes, abruti. Ouais. Et tu connais son mari? Alors là, j'ai un doute sur le... C'est peut-être le vrai Gérard qu'on a en ligne. C'est ma voisine, abruti. Ah, c'est ta voisine? Bah oui. Ouais. Ça t'embrouche à quoi? Non, mais ça suffit, il va peut-être pas répondre. C'est peut-être le vrai Gérard qu'on a en ligne. Non, c'est faux. C'est pas le vrai Gérard. C'est faux. Pourquoi ça serait le... Attends, tu le connais d'où? Pourquoi? Attends. Non, mais attends, moi, je vais piéger sur autre chose maintenant. Henri, tu le connais d'où? Attends, parce que toi, t'es peut-être pas le vrai Gérard. Dans ce cas-là, tu le prends jeudi pour faire ses débats, on va voir s'il va venir avec une mallette. Vas-y. Attends. Avec les autocollants Fun Radio et Fun TV, d'accord? Je ne connais pas ton parfum en plus, toi. Ah, parce que j'en ai pas mis ce soir, d'accord? C'est peut-être pas le vrai Gérard. Bah, je sais, hein, c'est un masque. Non. Retire ton masque. Non, Philippe, rigole pas, attends. C'est pas le vrai Gérard. Peut-être que le mec qu'on a au bout du fil, c'est peut-être le vrai Gérard. J'avais un doute. Heureusement, on a failli faire le con. Tu peux redonner ton numéro de tatou, Gérard, pour vérifier? 06. 57, 82, 21, 80. Eh bah t'es le vrai Gérard. C'est pour que Fesse de Babouin me rappelle qui, encore, c'est pas la peine. T'es qui, toi? Attends, tu veux que j'aille chercher Henri? Il en a pour 5 minutes. Henri, il bosse dans une boîte de sécu. Attendez, là, il y a un grand moment de radio, là. Et il m'a même offert un portable. Ah ouais? T'es pas le vrai Gérard. Eh ben dans ce cas-là, ok. Eh ben tu te démerdes, merci. C'est un coup monté avec le mec de la sécurité. Non, alors demande à Angie. Angie, il me connaît par cœur. Je reconnais pas ton odeur. Demande-lui qu'il t'envoie une photocopie de sa carte. Allume ton micro, je ne sais pas. En plus, tout à l'heure, t'as. En plus, il connaît pas lui, en plus. Parce que tout à l'heure, t'as. En plus, il y a un truc, moi j'ai un doute sur toi, je vais te dire pourquoi, toi qui es dans. Ouais, non, mais attends. S'il te plaît, t'es même pas le grand Gérard. T'as parlé dans le micro, tu l'as même pas allumé, t'as même pas eu le réflexe de l'allumer, donc c'est là où je me suis dit, attends, le mec qui parle dans le micro, il se rend même pas compte que le micro n'est pas allumé. Donc, pour l'instant, t'es en train de me faire le même coup de jeudi. Non, t'es le faux Gérard. Alors vas-y, tu viens jeudi, tu fais les débats, d'accord? Bah ouais. Comme d'habitude. Alors on va voir, tu es qui toi? Toi qui es avec moi dans le studio, t'es qui? Moi je suis ton vrai Gérard qui vient à l'écoute tous les vendredis. Enlève ton masque. Ouais, ça t'as raison toi, abruti. Ouais, abruti, c'est ça, ouais. Fais partie de la radio. Fais partie de la radio, ça vaudra mieux. On va appeler là-haut et Philippe, va voir si Henri a envie et va rester là. Alors attends, parce que là j'ai un doute. Je me demande si le vrai Philippe, qu'il aille voir,
et qui vérifie. Ah. Non, il n'y a pas à se dire de. Ouais. Non, parce que si c'est pour me faire du baratin, c'est pas la peine. Vous êtes en train de me faire le coup de mardi dernier. Ouais, le coup de mardi dernier, ouais. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a eu mardi dernier? Ça te regarde pas. Ça me regarde pas, bah tiens. Parce que t'es un faux, toi. Ouais, je suis un faux, ouais. Toi, t'es peut-être un faux. On va appeler le soi-disant. C'est bizarre. T'as même pas une piche avec ton numéro de téléphone. En plus, je voudrais pas dire, mais je reconnais pas bien ta voix, toi. Tu lui ressembles, mais je reconnais. Non, mais attends, il a même pas une piche avec son numéro de téléphone. Mais va pas le donner. On va pas le donner en direct, de toute façon. Alors, tu vois, c'est le faux, tiens. Occupe-toi de ton téléphone, pour l'instant, c'est un faux. Il a même pas une piche. C'est ça, ouais. Couillon de la lune. Ouais, couillon de la lune, toi-même. Pour l'instant, t'es quelqu'un de la radio, mon pote. Non. Gérard, t'es quelqu'un de la radio, c'est bon. Ah ouais, dis pas de bêtises, Gérard. T'as raison, va voir si maman fait les carottes. Gérard est venu, alors c'est au lit de la pro, alors, on appelle là-haut et je veux qu'Henri, parce que là j'ai un doute, et je me demande si Henri, Henri va nous dire tout de suite si... Donc toi, celui qui est dans le studio là, toi, t'es le vrai Gérard. Oui. Tiens, mais je joue encore. Eh ben, son Henri. Hein, j'ai des doutes. Encore un lascar qui s'est passé pour moi. C'est ça. Bah tiens. Bah demande. Fais descendre Henri. Laisse-le de côté, mais prends-nous quelqu'un d'autre. Non, mais attends, je vais pas prendre le côté, t'es pas toi qui commande ici, ça se trouve, toi t'es peut-être un imposteur, t'es même pas le vrai Gérard, puisque c'est toi qui va commander. Gérard, tu quittes pas? Ouais. Ok, on va appeler ton pote Henri. On a son numéro de portable, on est en train de l'appeler là. Donc, est-ce qu'on peut l'avoir? Parce qu'il paraît qu'on peut l'appeler sur son portable. Qu'est-ce qu'il fout, là? Attends. Oh là là. Allô? On l'appelait là-haut, là, le numéro, là. Allez, on y va. Allez, on y va. Go. Parce que là, on perd du temps, là. Vous me faites... Ensuite, on aura les nanas avec Fred, c'est promis, là. Parce que là, attends, j'hallucine. Je suis en train de me faire avoir peut-être par un mec que je ne connais même pas. En plus, tu sens pas d'habitude, tu sens la Didas ou le machin, toi. Tu sens plus autre chose, là, hein. Ouais, c'est un imposteur. On y va, c'est parti, on appelle, on va vérifier. Alors. Allô? Oui. Henri? Oui. Bon, est-ce que tu reconnais sa voix déjà, Gérard? Henri, tu descends, s'il te plaît? Attends. Là, je suis dans la voiture, hein. Attends. Henri, alors il y a Gérard qui est dans une cabine, et on a le Gérard, notre soi-disant Gérard de Fun Radio qui est dans les studios pour justement dire que c'est un imposteur le mec qu'on a en ligne, et maintenant j'ai un doute, parce que j'ai l'impression que le Gérard qui est avec nous dans les studios ne serait pas le vrai Gérard. Moi aussi je commence à avoir un doute maintenant. Ouais, c'est ça Henri. Ouais, Henri, c'est ça. T'as bien reconnu ma voix, hein. Bah oui, mais la voix c'est celle du téléphone ou quoi? Bah ouais. Non. Je suis au téléphone. Mais c'est l'autre. Bon, il est dans la cabine ou quoi? Non, il n'est pas dans la cabine. Là. Il n'est pas dans la cabine où t'as l'habitude de me laisser. Il n'est pas face à la pharmacie, celui-là. Parce que je suis descendu avec Vincent. Est-ce que t'es chez Myriam en ce moment? Non, ouais. Je suis pas chez Myriam. Pour l'instant, je suis à la radio et c'est Vincent qui m'a descendu à la radio. Non, mais attends, parce que le mec qu'on a en ligne, je vais expliquer, Henri, donc, est un ami intime de Gérard. Et du coup, Gérard, Henri a un doute, t'as emmené un mec qui serait peut-être pas le vrai Gérard. Voilà, j'ai un doute maintenant. Eh ben, dans ce cas-là, si t'as un doute, Henri, ben, pourquoi t'es venu à 10h30 avec Rachid à la maison? Comment? T'es venu parce que c'est Vincent qui m'a dit. Bon, toi, tu vas sortir parce que t'es pas le vrai Gérard du studio. Non, mais Henri, laisse tomber, l'autre, c'est pas le vrai. Donc, c'est pas le vrai Gérard. C'est chez toi, Gégé. On va rigoler. D'accord, donc là... Allez, hop. Bon, on va rigoler. Donc là, apparemment, ça fonctionne, parce qu'apparemment, le vrai Gérard pense qu'on le fait tellement douter, mais j'hallucine, c'est un moment de radio inoubliable. Là, je vais mettre les cassettes, là, faut enregistrer, parce que là... Non, mais de manière, je sais pas si tu te rends compte de ce qui se passe, là, Henri. Bah oui, je c'est qu'en fin de compte, tu penses avoir amené le vrai Gérard, et le vrai Gérard de Suresnes, apparemment, a des doutes. Ah bah attends, qui c'est le mec là? Non, attends, celui-là c'est un imposteur. Mais c'est un imposteur, l'autre dans les studios. Attends, il a mis un masque, c'est facile hein, avec les effets spéciaux. Regarde, moi, je te regarde maintenant. De quoi? Attends, alors là, je préviens d'une chose. Bon, passe-le-moi. Bah, attends, mais passe-le, Gérard, lequel tu veux, le vrai ou le faux, là? Je sais plus, qui est le vrai. Chose. Ah, c'est un grand moment. C'est une. Attends. Le prochain qui commence. Attends, GG de la cabine, tais-toi, parce qu'on va écouter, là, ça gueule en haut. Qu'est-ce qui se passe, Henri? Bah, il y a GG qui est là, il gueule. Passe-le-moi. Bah, attends, viens, GG, viens. Donc, on a le vrai Gérard qui a douté sur lui. On l'a fait douter sur ça. Oh, je bloque. Non, mais pour vous dire, hein, c'est pas un comédien, je vous le dis, c'est un vrai Gérard, c'est un être humain. Attends, hein. Je vais pas aller chez toi, moi. Vincent, il m'a dit que si. Allô? Ouais, bon alors, bon, monsieur? Quoi? Oui, bonjour. Vous connaissez Henri? Bah, attends, Max, te fous pas de moi, là, tu veux? Te fous pas de moi, tu veux? Non, mais attends. Non, imposteur.
Bon, allez, c'est bon, laisse tomber. Continue avec celui qui se fait passer pour moi, ça fera deux fois de suite. Comme ça, ben, je dis que tu vas te débrouiller. Non, mais attends, Gérard. Non, mais attends, parce que là, en plus, tu veux même pas m'écouter. Non, mais attends, je vais t'écouter. Pour l'instant, l'autre, pour l'instant, c'est des cassettes, c'est tout. Mais non, il est en direct, il est même pas dans la cabine. De quoi? Mais comment veux-tu que ça soit des cassettes s'il te répond à chaque fois? Il est bête. Il est complètement con. Comment tu fais des cassettes, c'est encore des conneries. Mais là, le bois de Boulogne, c'est gratuit et ça rapporte gros. Ouais, après, tu ferais mieux d'aller à Pigalle, ça te coûtera encore moins cher. Attendez, on se calme, c'est Max qui voudrait parler. Parce que le Gérard qui est à l'accueil, qui est donc soi-disant. Je suis le vrai, d'accord. Non, mais comprends bien, Gérard. Non. Mais moi, je vais comprendre que pour l'instant, je vais te laisser faire ta libre antenne, tu vas continuer avec l'imposteur, et là, on va discuter après, d'accord? Non, j'en ai marre, Gérard. Non, mais Gérard, j'en ai marre, soi-disant, si t'es le vrai Gérard, de toujours discuter par antenne. Dans ce cas-là, tu prends l'imposteur qui est avec toi, qui se passe Attends, on a la vraie framboise. Ouais, c'est ça, bien sûr. Maintenant, on va voir la framboise. Alors, attention, on va voir framboise. C'est bon. Si vous... Tu te débrouilles avec moi, Gérard. Attention, on va demander au Gérard de la cabine de, s'il te plaît, d'arrêter de me couper la parole toutes les deux secondes. Ouais. On a bien compris qu'il y avait de fortes chances que ce soit le vrai. Ouais. Je dois juste dire que maintenant, le soi-disant Gérard qui serait à l'accueil, qui est peut-être le vrai Gérard, va voir la vraie Françoise en ligne. Il va pouvoir lui poser des questions et vérifier si c'est la vraie, d'accord? D'accord. Gérard. Ouais. De la cabine. Ouais. Alors, on a Françoise, qui est une amie intime de Gérard, et là, donc, on va pouvoir vérifier. Allô, Françoise. Oui, bonjour. C'est Max à l'appareil. Oui, ben c'est Françoise. Est-ce que Gérard de la cabine est là? Ouais. Est-ce que le Bonsoir, Françoise. Attends deux secondes. Est-ce que Gérard de là-haut, de l'accueil, qui peut-être est le vrai, là? Non, mais celui qui est à l'accueil, c'est le faux, hein. Allô, c'est ça, Françoise. Bonne nuit. Et voilà, ah ben ça vous prouvait que donc on avait bien raison. Et voilà. Le vrai. Soi-disant vrai Gérard. Ouais. Et c'est quand tu veux, on y va. Voilà. Ça marche pas. Alors écoutez, chut, silence. Ouais, mais ça coupe. Non. Ouais, c'est bon. Alors là, je vous explique. Tout le monde en antenne. Ah mais bon, c'est... Ah non, mais il faut quand même laisser juste Philippe. Merci. Ah, c'est pas con, ça, ce que tu viens de dire. Ouais. Allô? Ouais, Philou, le problème, c'est que ça coupe quand je suis à l'accueil. Pourquoi? Je sais pas, le portable est naze. Bah, amène-le, dis que tu veux essayer de parler, que tu crois que lui, c'est le vrai. Ouais. C'est qu'ils ont la radio. Allô? Attends, mais c'est le vrai ou c'est pas le vrai? Je me pose des questions, là. Philippe est allé vérifier, il est monté à l'accueil avec le téléphone. Ouais, vous m'entendez? Allô, ouais. Vous m'entendez toujours? Oui. Ah, ça va couper, mais se demande à soi-disant Gérard de revenir, là, peut-être. Gérard, monsieur, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Monsieur? Monsieur? Ah non, mais là... monsieur à l'accueil. Bon, non, mais c'est important, s'il vous plaît. Bon, Philippe, oui, on va te rappeler à l'autre poste là-haut tout de suite, là. J'espère qu'il est raccroché, on te rappelle tout de suite. Okay, on va essayer de faire vite, on va s'enlever les moufles et on va accélérer la cadence. On va... après, par la suite, remercier quand même tous les autres qui nous ont appelés. Et ensuite, on va quand même passer à notre ami Fred pour parler des nanas. Et on a plus, du coup, les nanas et machin. Allô? Oui, toujours fidèle. D'accord, ok. Oui, donc si on rappelle quand même qu'on a le vrai Gérard qui a appelé ce soir. Il y a le vrai Gérard qui a appelé ce soir et faux Gérard qui s'est fait passer pour le soi-disant vrai est venu dans les studios, donc notre Gérard à nous. Et effectivement, étant donné qu'il n'avait pas les réflexes radio, qu'il n'avait pas la même transpiration que d'habitude, on a eu un doute et on vient de s'apercevoir que notre vrai Gérard est toujours au téléphone dans sa cabine de sirène et qu'il y a un imposteur qui est venu se faire passer pour Gérard, qui était même en face de moi dans le studio, et que finalement il a fini par craquer et remonter. Vous considérez comme le vrai Gérard, venez vous expliquer, monsieur. Et donc là, il y a Philippe qui a l'accueil là-haut et qui veut essayer de parler un petit peu avec le faux Gérard. Mais vous n'aimez pas les imposteurs, monsieur, mais venez prouver que vous êtes le vrai Gérard. Mais il peut pas, il travaille. Vous venez, s'il vous plaît. Autrement, je dis juste de vous sortir. Hein. Est-ce que Philippe, il y a la radio derrière? Non, on l'a coupé. Est-ce que vous pourriez la mettre un tout petit peu pour qu'il puisse m'entendre et qu'en plus, c'est le Gérard aussi, l'autre Gérard, mais qui ne parle pas pour l'instant. Il veut vous parler, monsieur l'animateur. Allô, est-ce qu'on m'entend un petit peu? Plus fort, est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà, est-ce que vous m'entendez là? Non.
Est-ce que vous m'entendez? Voilà, on vous entend. D'accord. Je voulais juste savoir comment... mais c'est très bien, remarque. Je voulais juste savoir comment il avait monté ce stratagème, parce que le vrai Gérard de Suresnes est toujours avec nous dans la cabine. Oui. Et je voulais juste savoir, donc, le Gérard qui est à l'accueil, pourquoi il avait voulu faire ça? Vous avez entendu? C'est des conneries que vous êtes en train de me faire. Vous entendez? Vous jouez avec mes nerfs, mais vous ne savez pas jouer longtemps. Bon, alors apparemment, il essaye de nous faire croire qu'il serait le vrai Gérard, et d'après je traduis, hein, et qu'on jouerait avec ses nerfs et qu'on sait du baratin. Le Gérard de la cabine, qu'est-ce que tu vas dire avant que l'imposteur, peut-être... Hein? Qu'est-ce que tu as à dire, Gérard? Non, mais de manière, pour l'instant, je me calme. Mais de manière, c'est simple, c'est clair et net. J'espère qu'il aime les avocats parce qu'il va en avoir d'entrée. Parce que à faire des conneries sur mon dos, se faire passer pour moi... Et il aurait pu menacer Henri, hein? Déjà? D'accord. Alors, faut pas me prendre pour un cave, hein? J'ai un doute parce que maintenant il y a des gens sur Minitel qui disent qu'en fin de compte le vrai Gérard ils le connaissent et qu'en ce moment il serait avec dans une cabine et que le mec, le vrai Gérard, serait en train d'essayer de nous appeler dans une cabine et que ça sonnerait occupé. Donc aussi bien le mec qui est au bout du fil que le mec qui est à l'accueil serait faux Gérard et que le vrai Gérard est en ce moment dans Suresnes. Il essaye désespérément de nous joindre, donc Gaël essaye de composer le numéro de téléphone et effectivement Gaël m'a dit que ça sonnait occupé. Donc il est possible. Donc il est possible que le vrai Gérard appelle d'une cabine téléphonique. Donc là je me pose des questions. Là faut que j'arrête là. Bon alors on va demander Henri, est-ce que Henri est avec nous? Et si Henri est à l'accueil, est-ce qu'il pourrait prendre le téléphone qui est à la réception? Bien sûr, je vous le passe. Merci, vous êtes bien aimable, monsieur Fillard. Oui, Henri. Oui. Bah, écoute, ce qu'il va falloir, c'est que si ça ne te dérange pas, c'est de ramener le monsieur que tu as emmené. Mmh. Et puis, par contre, on a peut-être le vrai Gérard de Suresnes qui serait dans sa cabine en cherchant les gens. Est-ce que c'est possible pour toi de retourner vite fait à Suresnes et d'aller nous le chercher, le vrai Gérard? Ah, bah, c'est pas un problème, oui. D'accord, ok. Pour un quart d'heure aller-retour. Et comment t'as pu te faire avoir donc par le mec là, qui est derrière, qui lui ressemble vachement quand même? Ouais, non, franchement, il lui ressemble. Hein. Ouais. Ah bah ça les sosies Non à l'odeur quand même t'as reconnu que... Non parce qu'il s'est pas parfumé aujourd'hui. Ouais bah c'est vrai ouais donc on sait très bien que notre Gérard National se parfume toujours à l'Adidas. Ouais. Même si elle a de la transpi, il fait toujours le mélange des deux, hein. Il se contente pas juste d'une odeur. Bah écoute, Gérard, moi j'ai eu peur pour toi Henri parce que je te connais bien, on est potes et ça aurait été dommage, t'aurais pu te faire ne serait-ce que. Parce qu'en plus c'est un mec. En plus il est plus costaud que l'autre. Hein. Ouais ouais. Donc t'aurais pu avoir des problèmes physiques. Ouais, enfin moi j'ai quand même mes chiens avec moi. Ah d'accord, ok. Bah écoute Henri, si tu pouvais nous ramener le peut-être vrai Gérard qui est peut-être en ce moment au bout du fil ou qui est peut-être dans sa cabine, tu fais vite. Ok d'accord, on a un quart d'heure. Allez Philippe, pour terminer vite fait, on va faire le point et puis ensuite on va okay. laisser le faux Gérard imposteur là-haut à l'accueil. Oui. Allô? Oui, c'est moi. Ouais, qu'est-ce qu'on fait alors? Donc là le problème c'est que le soi-disant Gérard, je sais pas si c'est vrai toujours, là il dit bon c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a remis son suite et il est presque cassé. Eh ben qui descende pour qu'il nous vérifie, qu'il nous prouve que c'est... Alors comme par hasard, c'est lui le faux Gérard. Lui l'enregistre. Comme par hasard, vous entendez auditeur, comme par hasard, le soi-disant vrai Gérard, il veut même pas descendre alors qu'on lui donne la possibilité. Comme si le mec n'a pas peur, rien qu'un peu. Bien sûr. Donc vous venez d'avoir la vérification, le mec qui est à l'entrée, c'est effectivement l'imposteur. Si vous voulez venir le voir, vous ne serez pas déçu du voyage. C'est carrément un clone. Qui descende? On lui laisse une minute pour descendre et pour prouver que c'est le vrai Gérard. Monsieur, il vous laisse une minute si vous voulez pour vous expliquer. Sinon, je peux vous confirmer que Henri est bien parti chercher peut-être le vrai Gérard, là. Ouais, ben, j'espère qu'il... Alors, qu'est-ce qu'il fout? Est-ce que le Gérard... Ah, là, le soi-disant Gérard sort de la radio, il va marcher. D'accord. Il va prendre l'air, je sais pas où il va, il y a un d'accord. mec. Ah, il attend le bus. D'accord, donc apparemment, c'est... on avait bien le faux Gérard qui est venu dans les locaux. Eh ben, nous voilà rassurés. Eh ben, écoute, merci Philippe. Et puis, si tu as des nouvelles, bien entendu, ou si tu arrives à le faire descendre, à le persuader qu'il faut qu'il descende pour pouvoir prouver qu'il est le vrai, à ce moment-là, que tu fais ça au mieux. Ok. On te laisse 2 minutes. D'accord, je vais essayer de l'attacher. Il n'y a pas de problème, à tout de suite. Tout de suite. Gérard. Ouais. On va te laisser. Hmm? Parce que tu vas attraper froid dans ta cabine. On te souhaite une bonne nuit. Ouais, mais de manière, il va me ramener.
Ouais, bah, de toute façon, tu vas continuer à écouter la suite pour voir si ça se passe au tribunal. Bah ouais. Hein? De toute façon, ça va être clair et net et ça va aller vite. Quoi. Alors, jeudi, tu nous as dit que les débats allaient porter sur quoi? Alors, je sais qu'il y a un débat, c'est quoi déjà? Il va y avoir un débat, alors tu m'as dit qu'un truc qui t'a préféré, sur quoi ça va être? Sur l'humour. Ouais, sur l'humour, donc ça va plutôt être pas mal. Et puis, il y en avait un autre, je sais plus lequel que tu m'avais dit, mais je crois que tu t'en souviens plus. Je sais plus. Hein. Attends, non. Tu te souviens, non? Non, je me souviens. Attends, si, qu'est-ce que tu m'avais dit? Mais si, tu m'as dit... Ah, ça y est, les célibataires. Voilà, les célibataires, voilà, exactement. Alors, les deux débats, un sur l'humour et l'autre sur les célibataires. Donc Manu a travaillé pour toi puisqu'il a relevé quelque chose des chiffres pour le débat sur les queues de cheval. Entre autres que 66% des femmes aiment porter et tenir la queue de cheval. Mais il y a aussi 15% des hommes qui aiment ça et 7% des hommes habitent d'ailleurs à Suresnes. N'importe quoi lui. Tu as été chercher ça. C'est une source sûre, hein. J'ai vu ça avec la rédac de Fun. Christine avait une queue de cheval. Gérard aimait d'ailleurs beaucoup caresser la queue de Christine. N'importe quoi là. Attends, mais Manu, Manu, je te préviens, tu vas pas t'amuser comme ça parce que ça va mal se terminer avec nous. On va pas s'entendre longtemps tous les deux. Hein. C'est clair. Dis à Gérard qu'il m'excite quand il s'énerve. Bon allez hop. Oula. Alors tu me le vires. Bonne nuit pour celui-là. C'est le blâme là. Quoi? Tu veux pas comme jeudi. Oula, ça tourne. Ouais, ça tourne. Tu vas voir. Une voix bizarre, Gérard. Non, mais c'est Olivier. Qu'est-ce que tu as pu... C'est Olivier qui joue. Cécile. Oui. 875 000, n'hésitez pas à nous faire péter ce putain de standard comme d'homme. Max CD, faites-moi exploser les 24 lignes, sinon je vais pas le tout à l'heure, ça va gerber sec. Ouais, bah écoute, je t'ai dit qu'on pouvait voir son ventre, tout à fait. Mmh. Et on peut voir le tien? Non. Pourquoi? Olivier, ça suffit, s'il te plaît. C'est Cécile. Bah oui, mon petit chéri, Tu sais qui vient de guerre l'escu? J'espère que c'est pas Johanna, hein. Bah non. Qui sait quand vous allez guerre l'escu? Merci, Olivier. Du débat. Ah, il y a marqué sur Minitel, il y a Clint qui dit que Gérard se ferait des pipes sous le pont de l'Alma depuis que Diana Ivers, ça lui ramène du monde. Celui-là, il va se faire foutre, il raccroche son Minitel, ça écoute. Il y a Tony sur Minitel qui dit que les 5 préférés de GG sont le pont de l'Alma, Lady Di, la sodomie, les chats de la loco et les contours tiges en le cul. Qui dit, on a retrouvé un homme habitant Suresnes avec une queue de cheval entre les dents et qui a déclaré... Attendez, c'est bon là, vous arrêtez de rire comme ça là, les sauterelles. Hein. C'est pas terminé, donc on a retrouvé un homme habitant Suresnes avec une queue de cheval dans les dents qui aurait déclaré... Bon, c'est bon. Voilà, il y en a une qui a un rire de singe. Quand je t'appellerai pot de chambre, tu sortiras dessous le lit, toi. Milan qui patiente, il est prêt à patienter encore 10 minutes. Ça va, Goldo? Ça va, et toi, Francky? Fulguropoint. Ouais, Fulguropoint. Alors, je t'appelais pour un petit article, alors que j'ai dû s'abonner, en fait, à une revue qui s'appelle Nos Amis les Bêtes. Et dans le numéro, donc, numéro 57, bref, il y avait un petit article sur un animal qui s'appelle le G, qui était signé. Alors, bon, je tiens à dire que j'ai absolument aucune responsabilité dans tout ce qui va être dit, quoi. Donc, c'est le professeur Actarus. Et qui nous parle un peu de cet animal qui s'appelle le G. Alors on a des renseignements sur sa description physique, son régime alimentaire. Alors raconte-nous tout là, parce que ça peut nous intéresser, ça peut intéresser les gens qui aiment bien écouter la radio libre le jeudi. Alors la description physique, on va commencer par ça. Alors il faut d'abord savoir que le G fait partie de la famille des Homo degenerus. Ouais. Physiquement, il ressemble vaguement à un humain d'apparence difforme. D'accord. Il possède un type de cheveux à haute teneur en pellicule, riche en graisse et recherché par les spécialistes pour son efficacité en tant que graisse à traire. Je ne sais pas si tu savais. Article assez violent, hein, quand même, comme tu peux voir. Ouais, mais bon, c'est peut-être un animal assez rare, donc il doit avoir de la valeur quelque part. Quelque part, j'imagine que ouais. Très à la mode, j'imagine. J'imagine. Alors, l'arrivée d'un G est toujours précédée d'un nuage toxique que le G dégage grâce à deux glandes situées sous ses bras qui sécrètent une odeur nauséabonde avec laquelle même le putois ne peut rivaliser. Et entre parenthèses, à noter que le Gérard possède également des glandes similaires mais plus petites dans la bouche. C'est le Gérard en fin de compte. D'ailleurs, les indigènes d'Amazonie utilisent un poison à base de concentré de ce produit qui paralyse instantanément leurs victimes. Ah d'accord, donc le G c'est le Gérard apparemment. Apparemment, ça pourrait, tu vois. Ah ouais, d'accord, parce que c'est ce que t'as dit, donc...
faut faire attention à ce que tu dis, parce que là, si tu t'as vendu à dire que c'est le Gérard, alors que le G, c'est peut-être le Germaine. Non, mais je pense que de toute façon, tout le monde l'avait reconnu. Il y avait peut-être encore, oui, c'est vrai, qu'au moment donné où tu as commencé à parler de la transpiration, effectivement, le doute nous habitait plus vraiment. C'est quoi. Clair, tu vas voir la suite. Alors, le G, est également reconnaissable grâce à sa dentition particulièrement endommagée à cause d'une forte consommation d'alcool et de café dès sa naissance. D'accord. À noter que le G porte la moustache selon les saisons. C'est vrai, okay. C'est vrai. Alors ensuite, on passe au régime alimentaire. Alors avant tout, le G est un charognard. Tel le vautour, il se nourrit des restes abandonnés par d'autres. Ouais. Mais le G possède également la surprenante particularité d'être le seul animal alcoolovore, ok. Son étrange système digestif... Attends, c'est un alcoolovore. Ah oui, d'accord, oui. Son étrange système donc digestif lui permet d'assimiler de fortes doses d'alcool, comme si elles étaient de la nourriture. Le G est également spermovore. Il peut avaler des quantités phénoménales de semences humaines ou animales. Pourquoi ? Pour s'auto-féconder ? Ah, je sais pas, on va en parler après, tu verras. Il y a un mode de reproduction, tu verras. Il va peut-être se donner naissance à lui-même tout seul. Il est surnommé gourde à sperme par les pygmées en Afrique, alors qu'on le connaît plus sous le nom de tonneau à foutre chez les Asiatiques. Excellent. Alors, je sais pas si tu avais entendu parler de ça. Ah, non, mais en tout cas, je souhaite avoir cet article très prochainement dans mon courrier. Hein. D'accord, mais je te l'enverrai, il n'y a pas de problème. Avec plaisir, parce que ça, je vais l'encadrer, est-ce que tu es en train de mettre. Ensuite, on a le langage. Mmh. Alors, handicapé par un QI égal au nombre de femmes qu'il a connues durant sa vie, le G, c'est-à-dire 2, le G communique grâce à un pseudo-langage composé d'un vocabulaire très réduit de 200 mots à peine, dont plus de la moitié sont des insultes. Le reste du langage du G repose sur 6 bases, non mais attends, bombante, manière, je vais te dire une chose, allez hop, malais, c'est bon. Ça ressemble de plus en plus qu'au nôtre. Hein. C'est clair, hein. À celle-ci s'ajoutent 5 expressions fondamentales, ta gueule, tu dégages au standard, t'arrêtes avec ta caméra, bonne nuit, et j'ai 2 voix. Le reste du temps, le G s'exprime grâce à des bruits, des cris et des sons incompréhensibles, même pour les plus grands spécialistes du langage. Et il est donc extrêmement difficile de communiquer avec un G. Pour compenser, le G s'exprime autant avec son cul qu'avec sa bouche. Je voudrais pas dire, Gérard, de Goldorak, mais j'ai comme l'impression que les gens qui ont écrit cet article se sont inspirés de tes statistiques. Parce que c'est des gens qui sont obligatoirement auditeurs, parce que quand même le G, à mon avis, c'est une espèce unique. Et j'ai l'impression quand même que la deuxième partie de leur sujet, quand même... Ils se sont penchés beaucoup sur des chiffres et les tiens, à mon avis, ils sont pour quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a de grands spécialistes des animaux qui écoutent apparemment les débats de GG. Hein. C'est clair, hein, je veux dire, nos amis les bêtes, il y en a un paquet qui nous écoutent ce soir. Hein, ça, il y a beaucoup de gens, tu sais, dans ce milieu, la nuit, il y a tellement peu de choses à écouter, enfin, regarder déjà la télé et à écouter en radio qu'on est un peu obligé de passer par moi, quoi. Ouais, c'est clair, avec le bestiole en plus que tu... Enfin, bon, bref. Alors, le enfin, ce soir, on a eu une deuxième sorte de bestiole, ça s'appelle le clown, là, et là, on rigole déjà beaucoup. Moins, non, c'est pas le clown. Hein. D'ailleurs, tu verras que ça contredit un peu l'article, parce qu'apparemment, moi, dans la fin de l'article, enfin, je te dirai ça tout à l'heure, apparemment, il n'y a plus beaucoup de G, qui existe en ce monde. Ensuite, donc, mode de reproduction et sexualité. Alors, la particularité du G, qu'il peut se reproduire de deux manières complètement différentes. Oui. Alors, avant tout, il est hermaphrodite avec sa main droite. Oui. Il obtient dans ce domaine des performances impressionnantes grâce à un entraînement très intensif. Ah. Mais le G peut également se reproduire par sodomie, bien sûr. L'accouplement peut avoir lieu avec des êtres humains, entre parenthèses, s'ils sont suffisamment inconscients du danger, ivres ou mentalement déficients, mais aussi avec de nombreuses espèces animales. Parmi celles-ci, on trouve les mollusques, tels les moules, les huîtres, les palourdes et les oursins, les cétacés, c'est-à-dire les baleines, les cachalots et les crestines. On a les charognards, c'est-à-dire chacal, vautour, hyène, les sangliers, les phacochères, tous les animaux de la ferme avec de nettes préférences pour les brebis, les chèvres et bien sûr les truies, quelques races bien précises de chiens, yorkshire, caniche et teckel, et enfin les méduses, les pieuvres, tous les types de poulpes, les morues et les thons. Alors, et enfin, donc, bon, une sorte de ah si, j'ai oublié, tiens, les lieux d'habitation, alors le Gérard niche dans les lieux suivants, ça on pouvait s'en douter, décharge, fosse septique, entrepôt de stockage de produits chimiques ou nucléaires, tas de fumier, égout, benne à ordures et chiottes des boîtes de nuit, bien évidemment. Et alors les petites remarques... Où là, il peut se transformer en sangsue, puis rester plaqué contre la paroi et attendre que la fermeture de la boîte se fasse. Et à ce moment-là, il se nourrit de tous les déchets des clients. Hein. Mais c'est clair, moi je te dis, on m'avait dit, on l'appelle la ventouse, parce qu'avec son derrière, il arrive à faire des trucs, il arrive à avaler des mangues, des noix de coco, et ça, à rester collé au mur et tout. Dans la guerre des étoiles, je crois, à un moment donné, quand il tombe dans le truc, là, dans la fosse, là, ou dans le retour du déchet, puis quand il y a les... Tu sais quoi, dans la bouse, là, quand ils sont dans les déchets. C'est le deux pièces à Gérard. Voilà, c'est le deux pièces, moi c'est possible. Ouais. C'est clair. Et ensuite, donc, petite remarque. Alors, premièrement, il est difficile d'apprivoiser un G.
Mmh. En effet, il attrape vite le syndrome du melon, devenant quasi insupportable. À mon avis, on en a conservation. En tout cas, il y a des gens sur Minitel, ça leur fait penser à quelqu'un. Ils ont des doutes encore, mais en tout cas, c'est le genre de question qu'ils aimeraient bien voir chez eux. À mon avis, c'est clair, tu vas voir la suite. Alors, la présence d'un G provoque inévitablement l'arrivée d'un Tony, d'un Luigi, d'un David, d'un Arnett ou d'un Caramel. Ouais. Donc, ça confirme. Ouais. Et on estime enfin que, heureusement, le G est en voie de disparition. Greenpeace a refusé de le classer dans les espèces en voie d'extinction. Et ceux qui auraient pu, en faire, en faire une espèce protégée. Protégée, oui, tout à fait. D'après les spécialistes, un des derniers spécimens de G a été localisé dans la région parisienne. Son territoire s'étendrait des environs de Suresnes et du bois de Boulogne jusqu'à une célèbre boîte parisienne. Tu vois ce que je veux dire? En passant par les locaux d'une grande radio nationale. Il est possible d'ailleurs qu'on ait un G bientôt en ligne parce qu'on est en train de faire le point. Bah écoute, je trouve qu'une fois de plus, t'as bien travaillé, hein. Ouais, hein, pas mal. Bien. Bah écoute, on va, c'est avec plaisir et que je vais t'offrir un petit quelque chose. J'espère que la musique de Nuit 2 te fera plaisir. Ou la Cyber, ou la Cyber Trans 5, comme tu veux. Là, je pense que la musique de Nuit 2 tu préféreras. Musique de nuit, c'est clair. J'en doute pas un seul instant. Donc, on va te l'offrir en exclu. Je tiens à dire que tout à l'heure, le morceau qui est passé n'avait rien à voir avec musique de nuit et que tout à l'heure, il y aura un morceau de piano où là, il faudra appeler pour la gagner. Voilà. Par exemple, pourquoi est-ce que les filles ont les pieds plus petits que les hommes? Allez, nickel, celle-là. Je sais pas. C'est pour les rapprocher de l'évier. Excellent, excellent. Ce qui est marrant, c'est que si on avait eu le vrai Gérard, il se serait marré sur cette histoire et que le mec qui est avec nous dans le studio, il comprend rien. Hein. Il se demande, vous êtes sur Fun Radio, monsieur, hein, vous êtes en direct. Est-ce que vous voulez parler parce qu'il croit que l'émission c'est peut-être enregistré. Ouais. C'est en direct. J'en ai une petite autre, Mac, si tu veux. Il est complètement paumé, il a bu le mec, non? C'est lui qui l'a dit. Il a picolé? Non, il a dit qu'on avait une petite. Allô, non, non, on parle du Gérard, imposteur, le mec qui est là, le soi-disant Gérard. Mais il parle pas, c'est pas lui, le vrai Gérard, il serait tout le temps en train de gueuler. Bah, c'est clair, il serait déjà intervenu. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, les nanas, vous verrez bien jeudi qui c'est qui était le vrai et qui c'est qui était le faux. Maintenant, de bon entendeur, salut. Et je vous écoute, c'est tout, j'ai rien à dire. Gérard. En tout cas, il limite bien, hein. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Vous verrez bien jeudi qui suit. Et au standard, le prochain coup, vous noterez le numéro de la cabine. Parce que apparemment, j'ai déjà fait le tour des cabines et c'était un faux. C'était un faux. Je suis désolé, c'était un faux. Non, mais attendez, il y a votre ami, votre ami qui vous connaît. Ça va vite. Ça va vite. Le mec, il raccroche et tu demandes à Henri à 1h20 d'aller le chercher. Hein. À -20, il revient. Il a pas mis, 35, il a pas mis le temps qu'il fallait. Vous êtes bizarre. Je sais pas qui vous êtes, vous, hein. Vous êtes très fort. Mon avis, c'est un coup monté. On essaie de me faire une sale blague. Ouais, et ben, la sale blague. C'est pas vous qui commandez. Dans ces cas-là, moi, j'ai demandé à l'imposteur qui donne le nom de ma fille. L'imposteur, c'est vous. Il y en a deux imposteurs. Le vrai Gérard de Suresnes sera là jeudi. Il nous a même dit, à l'antenne que les deux débats étaient sur l'humour et, sur les, célibataires. Et ben, dans ce cas-là, il t'amènera les débats jeudi. C'est qui? À ton avis. Est-ce qu'on pourrait parler au monsieur qu'on a eu tout à l'heure? C'est moi, hein. Alors, voilà, comme par hasard. Tu vois, ce mec, il aurait dû dire que c'était Gérard, mais qui sait que c'est le monsieur. Alors, ok. Vous êtes qui? D'accord. C'est Pildard, là. Oui, vous êtes... Mais c'est qui, ce mec, en réalité? Je sais pas, parce qu'en plus, là, j'ai l'impression qu'il a volé la carte d'identité de Gérard, parce que il me présente une carte d'identité... Avec la photo du vrai Gérard. Je le savais. Avec tout ce qu'il faut, quoi, son nom, tout ça. Bah, ça prouve bien que c'est un faux, parce qu'on vient de nous dire à l'instant, on était persuadés avec les filles, Johan et Étienne, qu'il avait trafiqué une carte d'identité. C'est Gérard Majax. Parce que c'est bizarre, parce que c'est plastifié et tout, c'est bizarre. C'est pas comme une carte d'identité normale. C'est une fausse, en fait. Je vous le repasse. Ouais. Bon, t'as jamais pris un téléphone sur le coin de ta gueule, toi? Comment il a fait ça? Maintenant, c'est les nouvelles cartes d'identité, d'accord? N'importe quoi. Il n'y a pas de nouvelles. Pourquoi? Allô? Allô? Quoi? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Ouais, je t'écoute, hein. Non, je vous tutoie pas, toi, c'est vrai, oh. S'il vous plaît. Vous avez fait quoi, là? Une fausse carte d'identité? Non, nuance. Ah. C'est vrai. Nuance, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire nuance. C'est pas un mot de Gérard. Non, mais déjà, on sent que c'est pas vrai Gérard, bon, parce que ouais, c'est bon, vous appelez, c'est bon. De toute manière, je descends tout à l'heure, je prends mon courrier et tu te débrouilles. Non, votre courrier, il est pas à vous, tu fermes le studio. C'est ça, allez, salut. Non, tu fermes le studio, le bureau, attends, il redescend plus, le mec, c'est pas son courrier, Il est fou, le mec. Philippe? Ouais? Philippe?
Oui. Tu dis juste au monsieur là qui est gentil qui descend pas venir récupérer le courrier de Gérard. Hein. Monsieur, s'il vous plaît, le courrier c'est à Gérard, c'est pas à vous, faut pas descendre, merci. Il m'a dit j'ai raison, je sais. Alors, ok, donc, continue. Il descend pas, hein. Vous descendez pas, hein. Ok, il m'entend, de toute façon on a fermé le bureau à clé, il est hors de question qu'on lui donne le courrier Gérard, il viendra récupérer lui-même, parce que il viendra jeudi direct. Il m'a dit qu'il viendrait mercredi le récupérer et travailler sur les débats. Les filles, je vous embrasse. Oui, je le fais exprès, enfin quand je change de conversation, parce que à chaque fois je peux de nouveau vous embrasser. Et tu nous embrasses où? Alors, je peux choisir? Moi sur la centrie. Alors moi si j'avais le choix, Pas sur ma jambe gauche parce qu'elle est plâtrée. Non, 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 non. Nadège, je crois que je t'embrasserai sur la bouche. Oh. Valérie, sans souci avec la poitrine que t'as sur les deux seins. Comment tu te fais? Bah je le sais, c'est tout, je le sens. Ça n'a pas d'herpès. Et Fanfan, je crois que je t'embrasserai mais un truc très langoureux, un peu avec la langue dans la nuque. Ah oh, ça donne des frissons ça, hein. Ah oui. Ouais. Thune, en fait, une petite circulaire qui vient du SGEG, c'est-à-dire la surveillance des Gogol et Gérard. Et c'est la circulaire donc 68G72, bref, qui date du 16 novembre 97 et qui dit « Attention, nous tenons à prévenir la population de la région parisienne de la chose suivante. Nous avons des raisons de penser que certains scientifiques français se livreraient à des expériences génétiques interdites. Leur but serait de sauver des espèces en voie de disparition. » Ainsi, le professeur Actarus, célèbre spécialiste animalier écrivant notamment dans la revue Nos Amis les Bêtes, aurait cloné une espèce en voie d'extinction mais non protégée, le G. Les derniers spécimens de surène étant stériles et n'ayant pas réussi à s'auto-féconder ou à s'accoupler, le professeur Actarus a eu recours au clonage. Pour réaliser ce clonage, le professeur Actarus aurait récupéré du sperme du G original vendredi dernier dans les chiottes de la loco après une prestation anale grandiose de celui-ci. Il aurait ensuite multiplié l'animal. A noter que les clones sont extrêmement dangereux. En effet, ils posséderaient un faible QI et des facultés limitées entraînant un comportement imprévisible. C'est vrai. Ils sont sujets à la paranoïa et à la mythomanie, comme l'original. Ouais. Les clones ont tendance à se faire passer pour le G original. On pense que le professeur Actarus aurait fabriqué deux clones de G. Avec l'original, il y aurait donc au moins trois G en liberté dans la nature. Il est donc recommandé à la population d'éviter de rester en présence d'un de ces clones et de prévenir soit les autorités, soit Gérard de Surenne sur son tatou pour qu'il le capture. Non, non, mais alors déjà une chose, je dis, tu vois, c'est même pas la peine d'essayer de s'amuser à me prévenir sur tatou parce que mon tatou c'est pas un jouet. C'est la circulaire, hein. Si on voit un G, faut appeler Gérard de Surenne. Mais dans ces cas-là, je veux dire une chose, que tu vois, tout truc qui seront balancés sur tatou, seront éjectés d'entrée. Ouais, et seront sanctionnés. Ça serait peut-être une bonne chose. Et seront sanctionnés. Voilà. À chaque fois que j'ai des numéros qui ne correspondent pas au code que je donne, donc le numéro s'en va et je l'efface d'entrée. Bon ben. Voilà. Voilà. Donc. Ça serait quand même bien qu'on arrive à les attraper quand même, les clones GG, non? Ah non, mais de toute manière, c'est toi qui veux lancer ça, ben. C'est toi qui t'en occupe. Je suis pas un de clones de GG, moi. Voilà. Non, mais c'est toi qui t'en occupe, c'est toi qui lance ça, donc c'est à toi de gérer. Alors, c'est pas moi, c'est le SGEG, surveillance des Gogol et des Gérard. Non, mais attends, le SGEG, je vais te dire une chose, que tu vois, le mec qui s'amuse à... t'as des preuves pour ça? Bah écoute, ouais, j'ai la circulaire 68 GGCKK 72, le numéro de la circulaire. Il me fait rire, ça. Alors, termine ce que tu vas dire, vas-y. Bon, donc, voilà la petite circulaire, quoi. Donc, je sais pas si les auditeurs croisent à la loco ou n'importe où un des clones de GG, qu'ils le préviennent, soit les autorités, soit lui sur son tatou, quoi. N'hésite pas. D'accord. Et puis, comme ça, ben, la loco, je pourrais plus y mettre le pied parce qu'il y a des abrutis qui s'amusent à balancer des circulaires.